Alors, quels sont les avantages dont il bénéficie? Je ne pourrai pas répondre à cette question car on touche au cœur de l'organisation. S'il vous plaît, mesdames, je vous remercie de respecter l'audition et de respecter les réponses qui vous sont faites. S'il vous plaît, mes chers collègues, je vous demande de respecter cette séance de commission et les réponses, si elles ne vous conviennent pas, sont les réponses qui sont effectuées par M. Stroda. Non, ce n'est pas une absence. Je vous rappelle que M. Stroda a très fermement rappelé les principes de séparation des pouvoirs auxquels nous devons être fermement attachés. Je vous rappelle. Je vous rappelle qu'il est ici pour répondre aux questions de la commission des lois, qu'il le fait, qu'il a accepté de venir devant nous. Je vous remercie de respecter ses réponses. Madame, je vais répondre. Je vais répondre. Je vais répondre, mesdames et messieurs les députés. Ces informations, elles sont connues de la Cour des comptes qui nous contrôle chaque année et elles sont connues de la mission parlementaire de la Commission des finances. Donc ces informations sont à votre disposition, mais je ne souhaite pas, dans le mandat que m'a confié le président de la République pour venir répondre à vos questions, répondre ici.